N'oubliez pas, les paroles passent du petit écran à la scène musicale. Les maestros de l'émission de chant, diffusée sur France 2, part en tournée à travers la France. Téléstar révèle dans son magazine apparaître lundi 8 novembre dans les kiosques que les candidats emblématiques du programme donneront une série de concerts du 9 avril à Aurillac, dans le Cantal, au 29 mai 2022, à l'Olympia, célèbre salle parisienne. Le présentateur de N'oubliez pas les paroles, Nagui, a révélé les dessous de la préparation de cette tournée. Le show a été conçu pour divertir, aller à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas venir à Paris et permettre aux fans du jeu de se frotter au maestro, a déclaré la star de France 2. 32 maestros sur scène. La production a souhaité mettre en place un spectacle festif et populaire, mais de qualité, en son et lumière, avec une scénographie digne d'une tournée de Zénith. On a plusieurs idées, a confié Thierry Cornoldi, à la tête de la société de production Cornoldi Productions. On réfléchit à la meilleure manière de faire interagir les candidats avec les maestros sur scène. Ce que l'on sait, c'est que Magali, la chanteuse de NPLP, aura le rôle de maîtresse de cérémonie. Les 14 musiciens de l'émission seront sur scène avec les 32 maestros, qui se succéderont en fonction des dates de concert et des lieux de représentation. Il sera donc impossible de voir tous les célèbres chanteurs en herbe sur scène, ils seront une demi-douzaine sur scène à chaque concert. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Téléstar en kiosque et en version numérique ce lundi 8 novembre. Loading Widget.